Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la généalogie d'une race que l'on connaît légèrement puisqu'il s'agit de la race humaine dans Warcraft. Alors on va se concentrer surtout sur les nations humaines, les 8 nations humaines. Donc on remontera bien sûr avec l'ancêtre commun à toutes ces nations, c'est les Vrykul. On va commencer d'ailleurs par parler des Vrykul, mais on va pas revenir vraiment sur d'où viennent les Vrykul, comment sont arrivés les Vrykul, etc. Ça, on fera une vidéo sur la cosmogonie avec le début justement de la mythologie Warcraft, on va dire. Et ensuite, eh bien, la création d'Azeroth et autres. Là, on va se concentrer vraiment sur les nations humaines que l'on connaît actuellement, tout simplement en revoyant un petit peu leur histoire, leur grand, on va dire, leur concept, comment ces nations ont vu le jour et autres. Alors, on va commencer évidemment, alors je vais pas aller trop dans le détail, mais on va commencer par les Vrykul. Alors les Vrykul, comme vous préférez. Donc ce sont les ancêtres des humains. Donc faut imaginer que les humains, c'est nos incarnations, nos représentations dans le monde d'Heroic Fantasy de Warcraft. Les Vrykul, ce sont des géants. Ce sont des géants, alors bien sûr c'est très inspiré mythologie scandinave, hein, très viking, mais faut imaginer qu'ils sont beaucoup plus grands que les humains. Et à la base il n'y avait que les Vrykul. Alors les Vrykul étaient en pierre ou en métal, avaient la peau de pierre ou de métal, et petit à petit il y a eu tout simplement en fait la malédiction de la chair, je l'attaquerai plus en détail dans une autre vidéo, mais en gros leur corps va petit à petit passer d'une peau de pierre ou une peau de métal à une peau, à une chair en fait tout simplement, ce qui va les rendre avec un aspect plus humain on va dire. Et c'est pas terminé puisque petit à petit certains enfants Vrykul, hein, notamment du roi, on va pas aller dans le détail parce qu'il va y avoir beaucoup de noms dans cette vidéo, donc on va éviter. Mais tout simplement, donc il y a eu des enfants Vrykul qui sont nés avec des espèces de malformations, donc ils sont nés chétifs, rachitiques, tout petits, jugés faibles par les autres Vrykul. Ils ne voient que la force. Du coup, ils sont tout petits. Et au final, eh bien, la plupart des personnages, en fait, hein, puisque on le redit, mais les enfants des Vrykul qui naissent chétifs et donc faibles aux yeux des autres Vrykul vont être mis de côté. Et au final, eh bien, il fut ordonné même par les dirigeants et les chefs de tribus Vrykul de tuer justement ces enfants jugés, on va dire, immondes et impurs, et les parents qui refuseraient de respecter cet ordre. Donc ça, c'est quelque chose de super important parce qu'au final, eh bien, les parents justement des enfants chétifs vont rassembler un petit peu tout ça et partir. Donc là, on le voit, hein, le continent de Northrend, aka Norfandre en français, qui vont partir sur le continent d'Azeroth, donc au niveau des royaumes de l'Est, avec en fait la côte à peu près de Lordaeron. Et tout simplement, pourquoi ils vont, alors évidemment ils fuient les Vrykul, mais pourquoi vont-ils sur ce territoire là tout simplement parce que on a envie de suivre en fait la seule boussole, on va dire, pour ces parias, c'est tout simplement la légende du grand héros qui a guidé un petit peu la civilisation Vrykul. Enfin, il n'y en a pas qu'un bien sûr, mais l'un d'eux c'était Tyr, et Tyr il l'avait, donc je reviendrai aussi dans la cosmogonie, mais Tyr c'était tout simplement un gardien des titans, donc un être très très puissant sur Azeroth, et au final qui avait affronté des serviteurs des dieux très anciens, et il avait perdu la vie contre un général des dieux très anciens. Et du coup, eh bien, tout simplement, on a suivi la tombe de Tyr. C'est ce qui a fait que derrière, eh bien, les parias Vrykul sont partis justement sur le continent d'Azeroth, le sous-continent de Lordaeron, même s'il ne s'appelait pas Lordaeron bien sûr, à ce moment-là. Donc ils vont rejoindre la tombe de Tyr. Et au final, eh bien, donc les humains petit à petit, alors ça s'est pas fait bien sûr en 10 ans, hein, mais petit à petit, donc les enfants Vrykul qui étaient nés plus petits, chétifs et fragiles, vont tout simplement, eh bien, se rassembler un petit peu partout, vont commencer à proliférer, je dirais. Ils vont tout simplement peupler un petit peu tout le bassin, justement, tout le bassin à peu près d'Arati, la zone d'Arati ainsi que le nord de Lordaeron et autres. Et au final, il va y avoir plein de petites tribus, en fait, hein, un petit peu à l'image, il faut imaginer un mode de fonctionnement, un mode de vie similaire aux Vrykul, mais avec des humains, donc très sauvages, très barbares encore à l'époque, avec des contes et des légendes un petit peu à l'image des vikings, hein, scandinaves, donc avec par exemple plein de sagas et de mythes des héros, et notamment Tyr qui sera toujours, eh bien, le grand héros légendaire de la race humaine.
Sachant que du coup, eh bien, pendant cette période-là, il va y avoir des conflits entre différentes tribus et il va y avoir plein de jeux politiques entre les tribus aussi. Et petit à petit, il y a une tribu qui va réussir à tirer son épingle du jeu, c'est la tribu d'Arati. La tribu d'Arati qui va commencer à fédérer un petit peu, vassaliser les autres tribus et ils vont former en fait le premier véritable empire, la nation d'Arati, un premier véritable empire. Il faut imaginer qu'il y a plein de tribus et là maintenant il y en a vraiment une. Alors ça peut être expliqué par plein de raisons, le simple fait déjà qu'il y a eu des guerres entre les différentes tribus humaines, mais aussi surtout la menace des trolls des forêts. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est probablement un des catalyseurs qui a fait que les humains ont dû se rassembler pour résister face à la menace de l'empire Amani, hein, troll des forêts bien entendu. En l'occurrence, donc on va revenir sur un point que j'ai déjà beaucoup évoqué dans la vidéo sur Zul'jin, je vous laisse bien sûr aller la voir. Le principe c'est quoi? C'est qu'ils vont lutter contre les trolls Amani et fonder justement la nation d'Arathor. Et la fondation, donc la nation d'Arathor, ça c'est super important, avec la création de la capitale Strom, qui deviendra le bastion de la race humaine, un petit peu à l'image de Minas Tirith pour le Gondor. Hein, on y reviendra après. Donc commencent les guerres trolls avec la nation d'Arathor qui lutte de son côté contre les trolls des forêts et ils vont être contactés par les hauts elfes de Kel'Thalas. Donc il y a la vidéo sur les hauts elfes et la vidéo sur les trolls qui vous aideront plus en détail là-dessus. Mais en l'occurrence donc les trolls des forêts sont en train d'exploser les hauts elfes au niveau de Kel'Thalas. Ils veulent récupérer leurs territoires ancestraux. Les hauts elfes sont dos au mur, ils n'ont pas le choix, ils font appel donc ils passent par le biais diplomatique pour essayer tout simplement de faire de demander de l'aide aux humains. Les humains acceptent, mais en échange, ce qu'ils veulent, c'est avoir des enseignements de magie, hein, tout simplement par les hauts elfes. Et les hauts elfes acceptent qu'il y aura 100 mages humains qui vont être formés tout simplement à l'école arcanique, hein, tout simplement. Et du coup, les humains vont se battre contre les trolls des forêts. Les trolls des forêts commencent à gagner la guerre, je vous laisse aller voir la vidéo sur les trolls bien entendu, mais en gros la dernière grande bataille qui se clôturera par une victoire de l'alliance, évidemment la première véritable alliance, hein, cette coalition des hauts elfes et des humains qui vont tout simplement triompher avec une tempête de feu magique contre les trolls pas loin d'Alterac, pas loin au nord. Alterac était vraiment un bastion contre les trolls des forêts pour garder, on va dire, le cap sur la frontière nord de la nation d'Arathor. Donc ça c'est quelque chose de très important. Au final, donc victoire de la coalition, l'alliance l'emporta sur les trolls. Mais l'Empire se désagrège petit à petit avec plein... donc là on est vraiment dans l'âge d'or du royaume d'Arathor, hein, de l'Empire. On appellera sous ça l'Empire, mais pour bien comprendre. Mais l'Empire d'Arathor, certes, est en train de devenir plus puissant, mais au final petit à petit va avoir des petites crises politiques internes. On y reviendra juste après. Mais pour commencer, on a tout simplement les premiers magiciens qui ont été... qui ont été tout simplement les apprentis des hauts elfes, qui vont être un petit peu mis de côté. Il va y avoir une véritable ségrégation contre les utilisateurs de magie par la civilisation humaine, puisque les humains voient d'un très mauvais oeil le peu d'êtres humains capables d'utiliser la magie. Très souvent ils sont proscrits, ils sont mis sur le banc de la société, j'ai envie de dire. Donc c'est toujours un petit problème. Donc les utilisateurs de magie se sentent rejetés, se sentent persécutés aussi. C'est même pas un sentiment, hein. Il y a vraiment une idée de persécution des magiciens. Alors certes, ils sont utilisés pour leur pouvoir et autres, mais on les craint. On les craint, on a énormément peur. Il y a cette superstition, il y a cette intolérance qui a cette ambiance en fait un petit peu toxique qui va éloigner la plupart des utilisateurs de la magie. Les utilisateurs de la magie, comme n'importe quel, peuplade minoritaire qui se fait un petit peu bloquer, ils vont décider de se rassembler pour l'union fait la force, bien sûr. Ils vont se rassembler et ils vont s'exiler tout simplement de Strom et de toutes les villes humaines, hein, de toutes les colonies humaines, pour fonder une nouvelle nation, tout simplement un endroit, un foyer pour tous les utilisateurs de magie, à savoir Dalaran, donc qui est au sud du lac Lord'Amer. Et ils vont fonder tout simplement une cité-état, hein, Dalaran, qui ressemble un petit peu au Vatican en termes de taille, même si c'est vrai que c'est assez grand. Dalaran, c'est une très grande ville, mais il y a quand même des petites installations à côté de Dalaran, des villages annexes. Alors il n'y a pas que les utilisateurs de magie qui sont acceptés par Dalaran, certaines autres populations qui n'arrivaient pas à trouver leur place
dans la grande nation d'Arathor vont rejoindre Dalaran. Donc il n'y a pas que des utilisateurs de magie, mais on va dire que le centre, l'idée de cette nation, c'était surtout d'avoir un foyer pour les utilisateurs de la magie et de fuir tout simplement la traque, on va dire, c'est pas l'inquisition non plus, mais cette espèce de haine des utilisateurs de la magie. Donc création de Dalaran avec un organe dirigeant. Tout simplement le conseil dirigeant qui s'appelle le Kirin Tor, donc qui sont en fait les archimages qui vont décider, qui vont choisir un petit peu de défendre la ville et qui vont tout simplement diriger la ville. Donc ça c'est Dalaran. On a ensuite eh bien, un autre royaume qui est très important, il s'agit de Gilneas. Donc Gilneas qui est tout simplement, alors j'aurai une carte après donc on pourra afficher tout ça, mais Gilneas c'est tout simplement dans les régions les plus lointaines, les plus reculées de la capitale Strom. Donc Gilneas c'est tout simplement la nation, enfin c'était pas encore une nation, mais tout simplement les territoires les plus reculés dans les montagnes au bord, en fait c'est une péninsule bien entendu Gilneas, et il y a beaucoup de montagnes mais également une ouverture sur la mer. Donc c'est, on va dire, bah, c'est des colonies hein, qui avaient été fondées. Et au final, les Gilnéens, petit à petit, on va dire que la famille royale de Strom va commencer à s'intéresser de plus en plus vers le sud, maintenant que le nord a été pacifié et autres. Et donc ils vont s'intéresser de plus en plus vers le sud, et il y a aussi des conflits internes au sein de la famille royale de Strom. Donc Gilneas se sent petit à petit laissé pour compte, et surtout, ils se rendent compte que les intérêts de la famille royale ne coïncide plus du tout avec leurs propres intérêts, leurs propres problèmes quotidiens et autres. Et donc un petit peu à l'image du Nord, je dirais, dans Game of Thrones, ils vont commencer petit à petit à déclarer leur indépendance et s'opposer à l'hégémonie, on va dire, politique de Strom. Donc ils vont commencer à faire sécession tout simplement. Gilneas devient un royaume péninsulaire indépendant. Ils fondent différentes colonies, ils vont s'ouvrir vraiment sur la mer. Cette ouverture sur la mer va permettre justement de fonder des colonies un petit peu partout, comme par exemple Crestfall, Tol Barad et une autre petite colonie hein, que vous avez peut-être entendu, Kul Tiras. Donc ça c'est des colonies gilnéennes et ils vont petit à petit prospérer grâce à cette nouvelle vague économique et cette ouverture sur la mer. Ça va être quelque chose de très important, et si vous voulez plus de détails concernant le Gilneas, j'ai fait une vidéo bien sûr sur Greymane, Gen Greymane et Gilneas, donc je vous laisse aller la voir, c'est une histoire très intéressante pour Gilneas. Ensuite nous avons l'une des nations les plus puissantes de l'histoire humaine, Lordaeron. Alors Lordaeron c'est contrairement à Gilneas, où Gilneas c'est un petit peu les paysans, les montagnards, les pécores qui étaient complètement éloignés, un petit peu les sauvages je dirais. On a Lordaeron qui sont tout simplement eh bien, les familles nobles, des familles princières de la couronne, tout simplement d'Arathor. En l'occurrence donc c'est des riches propriétaires terriens et des nobles qui, suite à des intrigues politiques et autres, ont été lassés de la vie à la capitale et commence à vouloir partir, à s'éloigner, éviter toute cette... Alors on sait pas trop, encore une fois, il y a beaucoup de... Cette période-là est super intéressante, mais malheureusement il manque plein de détails. Et quand tu vois par exemple du Game of Thrones et autres, on imaginerait bien quelque chose comme ça pour cette époque, ça serait super intéressant. Mais en gros, la famille... Il y a tout simplement, donc pour Lordaeron, on sait pas trop quelle est la famille, mais en tout cas on sait que c'est des nobles, donc probablement des familles puissantes, mais qui ont été un petit peu lésées, qui ont été mises sur le côté, et ce qui fait qu'eh bien, ils vont décider de récupérer des territoires au nord, tout simplement d'Arathor, donc tout simplement toutes les grandes plaines qui situeront tout simplement Lordaeron, et cette patrie qui... Alors là, il y a vraiment une indépendance nette avec cette annexion totale des riches terres agricoles du nord du continent d'Azeroth. En l'occurrence, cette patrie prend le nom de Lordaeron en l'honneur de l'ancien général des forces militaires d'Arathor, Lordaeron. Du coup, Lordaeron, et c'est pour ça que par exemple le lac s'appelle Lordamer, tout simplement, c'est en hommage aussi, c'est la mer de Lordaeron en gros, enfin le lac, parce que le lac est gigantesque, alors je sais d'en haut il est tout petit, mais le lac est gigantesque, c'est le plus grand du monde d'Azeroth. Donc il y a vraiment cette aspiration à faire l'indépendance, et finalement eh bien ces riches terres seront très importantes économiquement, puisque c'est ce qui va permettre à Lordaeron d'être la plus puissante nation humaine avec au fil des années. Et ce sera surtout la famille Ménéthil qui deviendra la famille royale de Lordaeron. Ensuite, on passe à une
Une autre nation que j'aime beaucoup et qui a été complètement oubliée malheureusement dans World of Warcraft. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est intéressante, qu'est-ce qu'elle pourrait... C'est un nid à intrigue, c'est un nid à scénario et pourtant elle a été complètement mise de côté. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale sur Alterac tellement je trouve que c'est un gâchis. Alterac, c'est un gâchis avec tellement de moyens, tellement de choses intéressantes. C'est triste. Mais du coup Alterac, donc situé dans les montagnes entre Gilneas, Lordaeron, Dalaran et du coup la nation d'Arathor, la capitale Strom, nous avons les montagnes d'Alterac. Et c'est comme je le disais donc juste avant dans les guerres trolls, c'était un bastion, c'était un point stratégique très important. C'est tout simplement l'accès aux routes commerciales entre l'ouest et l'est, entre le nord et le sud. Donc c'est vraiment un carrefour d'influence très important, que ce soit commercial mais également militaire. Et à la base c'était une colonie minière mais également une garnison, une place forte pour résister aux trolls qui venaient du nord et de l'ouest également. Donc, puisque je me rappelle les trolls étaient un peu partout, mais du coup c'était une place forte très importante, un endroit stratégique très important pour la nation d'Arathor. Son armée, donc comme je le disais, avait un rôle très important, forcément c'est un emplacement stratégique militaire très important, et du coup, eh bien, il va y avoir donc l'armée au départ d'Alterac était très importante, petit à petit au fil des siècles ça va péricliter et l'armée d'Alterac deviendra plus petite, mais à l'époque, comme c'était un bastion militaire important, forcément on avait une armée très, très grande du côté d'Alterac, et surtout, comme je l'ai dit, c'est également une colonie minière. Donc il y a beaucoup de mineurs humains qui vont, qui vont commencer à tout. Enfin, encore une fois, économiquement, ça va être quelque chose de très important. Et ils vont également, les Alterakis vont également être les premiers à avoir cette ouverture diplomatique avec les nains. Ils vont découvrir justement certaines factions naines qui habitaient ces montagnes et ensuite aller vers Kazmodan pour pouvoir encore une fois cette ouverture vers le sud, même si Alterac reste bien sûr au nord-ouest, mais en l'occurrence il y a cette ouverture vers le sud et on va dire que dans les grands rapports entre les humains et les nains, ça c'est un petit peu à l'initiative des Alterakis à la base. Alors pas non plus que les Alterakis, mais les Alterakis en sont je dirais l'une des clés qui a débouché à cette entente cordiale entre les nains et les humains. Donc au final, cette indépendance, l'indépendance d'Alterac va se faire petit à petit. Il n'y a pas eu une sécession, il n'y a pas eu une annexion. Non, non, petit à petit, Alterac va prendre son essor, va commencer à diriger soi-même les opérations. Et de l'autre côté, Strom va laisser de plus en plus la bride à Alterac et va leur laisser cette indépendance. Donc ça, c'est, et notamment la famille dirigeante, parce que je vais en parler quand même, bon, pour Gilneas, j'en ai parlé, c'est Greymane. La famille Greymane, même si on ne sait pas si à l'époque c'était la famille Greymane qui était la famille dirigeante, c'est la famille Greymane qui deviendra la famille dirigeante de Gilneas. Pour Alterac, c'est tout simplement la famille Perenold. Perenold, donc très important puisque Alterac, encore une fois, a eu des liens très différents, très difficiles avec le reste des nations humaines par la suite. L'autre petite colonie humaine que j'ai déjà évoqué par le passé, c'est tout simplement Kul'Tiras. Donc Kul'Tiras, petit à petit, à la base, une colonie gilnéenne, donc du jeune royaume de Gilneas, va également, avec cette ouverture sur la mer, on est vraiment sur une représentation de la Grande-Bretagne, je dirais, avec cet empire maritime. Au départ, ils vont avoir ces ouvertures sur la mer, et ça va être une des plaques tournantes du commerce entre les nations humaines, Kul'Tiras. Et petit à petit, Gilneas n'arrive pas forcément à gérer, on sait pas quelles sont les raisons, mais Gilneas va laisser Kul'Tiras prendre son indépendance. Et en plus, on sait que, alors peut-être que ça s'est fait militairement, on ne sait pas, mais ce qui est certain, c'est que Gilneas et Kul'Tiras vont garder de... au final, c'est un petit peu des cousins, et Gilneas et Kul'Tiras garderont de très très bonnes ententes, et même... Par la suite, je vous laisse aller voir la vidéo sur Gilneas, mais Gilneas, quand ils ont fermé un petit peu leur relation avec... Quand ils sont rentrés en autarcie en fermant un petit peu leur relation commerciale et autres, diplomatique avec toutes les autres nations humaines, Gilneas et Kul'Tiras ont toujours eu quand même, on va dire, un lien fort, un lien de parenté, et c'est vrai que Gilneas, Kul'Tiras, c'est les principaux partenaires commerciaux, bien entendu, et au final, Kul'Tiras va commencer également à prospérer en récupérant plein d'autres petites colonies, donc à l'heure actuelle, et ce qui est très drôle, parce qu'au final, Kul'Tiras et Gilneas ont un rapport très intéressant, c'est l'un et la fille, on va dire, la cité-fille de l'autre, et d'un autre côté,
Cultiras va annexer des anciennes colonies de Gilneas également. Alors peut-être que c'est juste un ensemble de colonies, c'est possible aussi. En tout cas, Cultiras n'a pas de nation, enfin n'a pas de royauté. Cultiras c'est une amirauté et il y a plein de familles dirigeantes de seigneurs, avec notamment les Malvois, les Stormsong, donc les Chantorages, les Prodmore, donc les Port-Vaillants. Donc il y a plein de petites familles dirigeantes, les Crestfall et autres. Et du coup, eh bien Cultiras va garder son indépendance et malgré tout entretenir de bonnes relations, une relation cordiale avec Gilneas. Une nation très importante évidemment dans l'univers de Warcraft, c'est tout simplement la nation d'Azeroth. Alors la nation d'Azeroth, je sais que j'essaye de le rappeler à pas mal de monde dans mes vidéos, parce que c'est un terme qui est parfois un petit peu oublié, mais la nation d'Azeroth, tout simplement, c'est eh bien la nation humaine de Stormwind, d'Hurlevent. Sauf que le véritable nom, c'est la nation d'Azeroth. Hein. Je le rappelle, Azeroth, c'est plein de choses. C'est un titan, c'est une planète, c'est un continent, c'est un sous-continent, et c'est une nation humaine. Donc, la nation d'Azeroth, elle va commencer, en fait, comme je l'ai dit, la famille royale de Strom va s'intéresser de plus en plus vers le sud. Alors, ils vont laisser en paix les nains, bien sûr, mais ils vont continuer cette soif de conquête, cette soif de découverte vers le sud, cette aventure vers le sud, et ils vont commencer à récupérer de nouveaux territoires. Ils découvrent des endroits très riches, très vastes, très intéressants. Et au final, eh bien, alors on sait qu'il y a énormément d'intrigues politiques au sein de Strom, qui a eh bien, peut-être probablement des luttes intestines, des luttes. N'oublions pas que Strom, ça ressemble vraiment. L'analogie avec le Gondor doit être faite. C'est vraiment l'idée que justement, avec le royaume d'Arnor et le royaume du Gondor, on a l'idée que la famille royale va partir vers le sud. Il va y avoir des conflits entre les différentes forces dirigeantes de Strom. Donc la famille royale de Strom, la lignée d'Arathor va commencer à péricliter, il va y avoir des intrigues politiques au sein même, peut-être probablement peut-être des guerres civiles, on ne sait pas trop. Malheureusement c'est assez flou cette période-là, mais ce qui est certain c'est que une des branches de la ligne royale va partir s'exiler vers le sud. Alors on ne sait pas si c'est parce que suite à une défaite, suite vraiment à l'idée qu'ils en avaient marre des conflits politiques et veuillent ce goût de l'aventure vers le sud. Mais ce qui est certain c'est qu'ils vont fonder la nation d'Azeroth au sud. Et c'est la famille Rin qui va devenir la famille dirigeante de cette nouvelle nation d'Azeroth. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'autres membres de la lignée royale qui vont également émigrer vers le sud, notamment eh bien, les ancêtres d'un certain Lothar, Anduin Lothar, qui deviendra l'un des grands héros, l'un des plus grands héros de l'Alliance, si ce n'est le plus grand. Donc c'est quand même assez intéressant. Et du coup, la nation d'Azeroth va... elle n'a pas vraiment de concurrence vers le sud, donc forcément, elle va également devenir une nation très importante de la famille... tout simplement des nations humaines. Donc on va pouvoir eh bien, parler de la dernière qui est à l'origine de tout, c'est Stromgarde, bien entendu. Alors Stromgard qui ne s'appelait pas Strom, qui ne s'appelait pas Stromgarde avant, mais l'idée c'est que justement comme vous le voyez, plus j'en parle, plus je fais de recherche sur cette nation et plus je la kiffe, plus je l'adore. Le Stromgarde c'est vraiment une nation aussi, un petit peu comme Alterac ou parfois un petit peu décevante avec le matériel d'origine, les scénarios possibles avec cette nation sont dingues, puisque Stromgarde, donc comme je le disais, hein, Strom, donc la capitale de la nation d'Arathor, eh bien c'est un petit peu le Gondor, et au final Strom c'est Minas Tirith. Et du coup Stromgarde, bah, c'est exactement le même délire, c'est-à-dire que avec l'expansion vers le sud de la nation d'Arathor, la conquête de nouveaux territoires, il va commencer à y avoir beaucoup d'intrigues politiques au sein de la cour impériale ou de la cour royale d'Arathor. Et au final, eh bien, la nation d'Arathor ne devient que l'ombre d'elle-même. Strom perd de plus en plus d'influence, au profit bien sûr, comme je le disais, de Gilneas, également d'Alterac, de Lordaeron. Lordaeron qui va devenir quand même un des grands concurrents d'Arathor et de Strom. Donc ça c'est un gros souci. Et au final, eh bien, malheureusement, il n'y aura plus, à un moment donné en fait on sait pas trop pourquoi, probablement guerre civile plus voyage plus aventure, il y a en tout cas les héritiers de la famille royale d'Arathor vont, en tout cas de la branche principale, vont disparaître. Donc il y a probablement eu des guerres civiles, ça sent vraiment la guerre civile, peut-être une aventure, une expédition qui est partie et l'un des princes est mort pendant cette aventure, on ne sait pas trop. Peut-être aussi des guerres contre les trolls et du coup certains un roi qui meurt au combat. En tout cas la lignée royale, ça arrive avec toutes les dynasties, la lignée royale va s'éteindre et les branches cadettes sont parties vers Azeroth, vers la nation d'Azeroth et autres. Donc en tout cas il n'y a plus personne, la lignée principale est perdue
Et du coup, eh bien, une des familles dirigeantes aussi de la ville de Strom, loyale à la couronne, eh bien, va rester, va prendre, alors ne va pas vouloir justement de la couronne d'Arathor, mais va fonder une nouvelle nation. C'est pour ça qu'il change le nom, donc qui va s'appeler Stromgarde. Vous avez même, et c'est le nom anglais aussi, hein, comme français, vous avez vraiment l'idée de « on garde Strom ». C'est vraiment le principe d'intendance. C'est d'ailleurs étrange que, bon, ils ont gardé le terme « roi hein, », il y a une royauté, les Trollbane, donc les... bon, j'ai oublié le nom en français, mais c'est pas grave. Les Trollbane, donc, vont devenir la famille dirigeante de Stromgarde. Et il y a vraiment cette idée d'intendance, avec l'idée que un jour, si jamais la lignée royale d'Arathor revenait, eh bien, la famille Trollbane laisserait la couronne d'Arathor à cet héritier, et eux de leur côté bah, garderaient bah, tout simplement la garde de Strom, tout simplement. Donc c'est quand même assez intéressant avec l'idée voilà des intendants du Gondor, et c'est quand même super sympa. L'un des héritiers justement bah, c'était Lothar, malheureusement Lothar est mort sans enfant, donc eh bien, ou en tout cas sans enfant en vie, donc ou alors peut-être qu'un jour on nous en sortira un du chapeau, mais en tout cas eh bien on ne sait pas s'il reste des héritiers de la lignée d'Arathor. Ce qui est sûr, c'est que la famille Trollbane va diriger Stromgarde, et l'idée vraiment encore une fois de garde, on voit la main de Tyr hein, d'ailleurs, la main de Tyr qui l'un des grands héros, je le rappelle, hein, de l'origine des humains, et eh bien vous le voyez avec cette symbolique, hein, ce point fermé rouge, c'est tout simplement un hommage à la main de Tyr. Et il y a cette idée de puissance aussi, hein, le gant militaire, le gant d'acier est très souvent représenté pour le côté martial, le côté militaire. Et Stromgarde, j'aime bien aussi faire l'autre comparaison avec l'idée de Sparte, puisque c'est vraiment une nation militaire pure qui veut tenir face aux invasions trolls et autres. Donc c'est une nation militaire qui va rester. Alors malheureusement Stromgarde n'est plus que l'ombre de ce qu'était avant la nation d'Arathor, mais en même temps tout le monde a un petit peu pris son indépendance, mais Stromgarde va rester quand même un des royaumes les plus importants des nations humaines. Donc on va pouvoir revenir un petit peu sur les différents symboles, les différents symboliques des différentes des 7 nations humaines. Alors bien sûr je le sais, la vidéo c'est les 8 nations humaines. On y reviendra juste après, bien entendu. Alors, comme vous le voyez, en orange, la couleur principale, c'est tout simplement d'Alterac. Le symbole, donc, c'est un... Alors, on ne sait pas si c'est un aigle, un faucon. Ce qui est certain, c'est que c'est un rapace. C'est un rapace en noir. Donc, Alterac en orange, on le rappelle, on ouvrira la carte. Bah, je vais ouvrir la carte peut-être. Ce sera plus simple avant. Donc, comme vous voyez sur la carte, donc Kul Tiras, qui sont les îles un petit peu, les îles tout simplement à l'ouest du continent d'Azeroth. On a Stromgarde, qui a malgré tout des îles également. Alors, il y a vraiment un conflit sur les différentes îles entre Gilnea, Stromgarde, Kul Tiras. Donc, ça aurait pu être intéressant de voir ça. Mais en tout cas, il y a des îles qui appartiennent à Stromgarde, d'autres qui vont être récupérées par Kul Tiras. Gilnea va perdre la plupart de ses îles, mais garde tout simplement bah, son domaine sans problème. Ils ont quand même leur ouverture sur la mer, donc le commerce reste très important, même s'il peut y avoir. Il peut y avoir des guerres hein, entre les différentes nations. On a Alterac en orange que vous voyez dans les montagnes hein, qui vont donner bah, ce même nom, hein, les montagnes d'Alterac. On a Dalaran au sud du lac de l'Ordamer. Donc cette ville qui ne flotte pas à la base, hein, je le rappelle, elle est au sol. Et du coup, bah, donc cette nation, cette ville-état, tout simplement. On a Lordaeron qui va petit à petit prendre énormément de place au détriment bien sûr des trolls à Mani. Stromgarde également est en guerre avec une partie des trolls à Mani. Et au sud, eh bien, comme vous le voyez avec la capitale Stormwind, on a la nation d'Azeroth. Hein, la nation d'Azeroth qui conserve bien sûr ses ouvertures commerciales avec Kul Tiras, Stromgarde, Gilneas, Lordaeron et bien entendu après Alterac d'Alaran un peu moins. Mais voilà, on a ces 7 nations humaines. Donc pour revenir un petit peu sur les symboliques. Comme je disais, Alterac, donc dans les montagnes, un peuple montagnard. Kul Tiras, donc les marins, avec cette encre justement en jaune avec le fond vert. L'idée, voilà, justement l'idée de l'encre, hein, je pense que c'est assez transparent, c'est vraiment la nation maritime. On a le lion, un symbole de la famille royale, bien entendu, hein, un des emblèmes royaux, hein, donc pour la nation d'Azeroth. Le bleu également qui a été choisi. Lordaeron, qui est bleu et blanc, hein, n'oublions pas, c'est bleu et blanc, c'est pas non plus que blanc, c'est bleu et blanc. Avec le L en hommage à Lordaeron. Et tout simplement bah, le L de Lordaeron avec l'épée vers le bas. On le rappelle, bah, la famille Lordaeron, on ne sait pas si c'est Lordaeron Menethil d'ailleurs, on ne sait pas. Mais en tout cas, Lordaeron était un général de la nation d'Arathor. Donc il y a vraiment cette idée de l'épée avec cette... ainsi que d'ailleurs l'épée forme une sorte de balance aussi avec la justice. Je rappelle que c'est Lordaeron qui fera naître le corps des paladins avec la main d'argent. Main d'argent encore une fois, une symbolique de tir également. Donc c'est... en tout cas, Lordaeron...
une de mes nations préférées. Ensuite, on a Stromgarde. Stromgarde, donc le rouge, hein, toujours la couleur militaire, couleur de Sparte également, avec le point rouge, ça j'en ai suffisamment parlé, et le bouclier, qui est très important, l'idée du bouclier de l'humanité, le bouclier des nations humaines. Donc ça, c'est assez intéressant, le bouclier ainsi que le point rouge. Sachant encore une fois que là, on est sur les symboles des nations. Sauf pour Gilneas, on y reviendra juste après, mais il y a plusieurs autres images qui peuvent, d'autres bannières, d'autres fonds qui peuvent être donnés. Par exemple, la famille Trollbane est symbolisée par une espèce d'aigle blanc. Mais malgré tout, c'est une des symboliques de Stromgarde, mais c'est pas pour autant l'emblème principal de Stromgarde. C'est parfois, il y a plusieurs emblèmes, comme l'aigle à deux têtes des Ménéthil pour l'Ordéron. Ça peut arriver. En tout cas, pour Gilneas, ça c'est une erreur de l'image, malheureusement, c'est une image de WoW. Et il y a une erreur pour Gilneas, puisque ce symbole sur le tabar, alors bien sûr la couleur c'est noir et gris, ça c'est pas de problème, mais la couleur, je vous laisse aller voir l'histoire de Greymane, hein, de Gen Greymane et de Gilneas, ce n'est pas l'image... On soupçonne que ce symbole sur le tabard, ce serait la marque de la famille Greymane. Et en l'occurrence, la marque de Gilneas n'est pas celle-là, mais c'est l'un des symboles utilisés pour Gilneas. Ça serait logique en fait que ce soit le symbole de la famille Greymane, hein, ce symbole-là. Mais bon, en tout cas, c'est la marque de Gilneas. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Gilneas si vous voulez voir un petit peu le vrai emblème de Gilneas. Et enfin, on a l'œil violet du Kirin Tor, qui est, je le rappelle, le conseil dirigeant de Dalaran. Donc le violet symbolique des mages, en plus c'est la couleur des arcanes, donc pas de soucis là-dessus. Donc, pour rappel, hein, la carte, je vous l'ai remise, mais je vous la remets tout simplement sous les yeux pour que vous puissiez le voir. Et il va y avoir la 8ème nation, bien entendu. Alors, pour plus de détails, je vous laisse aller voir l'histoire de Warcraft 3 ainsi que l'histoire de Frozen Throne. Puisque, enfin, Frozen Throne, dans Frozen Throne, j'en parle pas tant que ça, ce serait plus la fondation de Durotar, où je parle beaucoup plus en détail de Terramor. Mais on va avoir la 8ème nation humaine et l'une des plus grandes, même si malheureusement c'est une des nations... Probablement un jour je ferai une vidéo sur Terramor aussi, puisque Terramor c'est une nation qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est la grande nation, la nouvelle, c'est la nation la plus jeune des humains. Alors elle n'est pas totalement humaine, elle n'est pas que humaine, et surtout, alors comme vous le voyez, j'ai fait, on a tout simplement ces symboles. Terramor, on l'a mise en dessous de Kul Tiras, forcément, puisque la fondatrice de Terramor, c'est la princesse de Kul Tiras, c'est Jaina Proudmoore, hein, Jaina Port-Vaillant. Mais le truc, c'est que Terramor, il faut bien comprendre que ça englobe toutes les nations humaines. Ce qui est très important, c'est de rappeler quand même un petit peu de contexte, donc l'histoire de Warcraft 3, encore une fois. Quand Medivh, le gardien, le dernier gardien, est arrivé pour prévenir toutes les nations, et notamment la plus puissante Lordaeron, qu'il y allait avoir un retour des démons et de la Légion Ardente, ils allaient balayer tout le monde, toutes les défenses, et bien tout le monde a ignoré les conseils de Medivh, Uther, Antonidas, tout le monde a ri au nez de Medivh, et une seule personne a eu foi à écouter justement ce vieux fou, c'est Jaina Proudmoore. Jaina Proudmoore qui a du coup eh bien guidé une partie des différentes nations humaines, des 7 nations humaines, vers l'ouest, vers Kalimdor, afin de sauver la race humaine. Donc Jaina a emporté avec elle la brigade de Gilneas, donc dirigée par Crowley. Alors Crowley Crowley est le chef de la brigade de Gilneas, mais il était resté en Gilneas. Mais une partie de ses hommes va être envoyée vers l'ouest pour représenter Gilneas au sein de l'alliance de Jaina. On a donc bien sûr des cultiraciens, évidemment, beaucoup de Lordaeronais, bien sûr, quelques Azérothiens malgré tout, puis je rappelle qu'il y a quand même eu un mélange entre Azeroth et Lordaeron suite à la défaite de la première guerre et lors du mélange de la deuxième guerre, donc il y a quand même, même dans les Lordaeronais, il y a des Azérothiens. Au final, certains Alteraki vont malgré tout rejoindre, hein, n'oublions pas qu'Alterac, je vous laisse aller voir la vidéo sur Warcraft 2 hein, pour plus de détails concernant Alterac, a subi de lourdes défaites, on va dire. Donc certains Alteraki ont trouvé exil, trouvé refuge ailleurs, notamment en Gilneas. Mais du coup, eh bien, toutes les nations humaines, et bien sûr des Stromgardiens, vont être représentées dans l'alliance de Jaina. Mais alors attention, parce que l'alliance de Jaina, ce ne sont pas que les 7 nations humaines. Il y a également, et bien sûr, Jaina était membre du Kirin Tor, donc forcément elle amène avec elle des utilisateurs de la magie et des membres du Kirin Tor de Dalaran, évidemment. Mais elle n'en voit pas, elle représente toute l'alliance de Lordaeron, et du coup, eh bien, elle a également amené avec elle des nains, des gnomes, et des hauts elfes, hein, très important là-dessus, des hauts elfes, hein, ne pas confondre avec les elfes de sang, les elfes de la nuit, tout ça, des hauts elfes, hein, les vrais membres de l'alliance. Petit rappel. Du coup, eh bien, Terramor, ça va être également une cité-état, l'image un peu de Dalaran, on revoit aussi, puisque
Jaina a cette... alors, elle essaye de lier un petit peu tout ça. Donc, la couleur de Terra Mort, c'est vraiment le blanc avec une encre jaune. Alors, l'encre jaune, je sais que parfois, elle est assimilée un petit peu trop à Kul'Tiras, en disant, ok, c'est une nation fille de Kul'Tiras. Pas vraiment, en fait. Hein. Il y a probablement plus de Lordaeronais que de Kul'Tirasiens à Terra Mort. Mais le principe, tout simplement, l'encre. Pourquoi ? Alors, oui, bien sûr, c'est un symbole de Kul'Tiras. Jaina vient de Kul'Tiras, tout ça, ok. Mais à la base, n'oublions pas que Terra Mort, c'est une nation maritime. C'est une île, à la base Terra Mort est une île, c'est devenu une presqu'île d'en haut, mais à la base c'est une grande île, et surtout, bah, de toute façon, comment l'histoire de Terra Mort s'est formée? C'est toute une, c'est 7 nations qui ont émigré vers l'ouest en utilisant des bateaux, en utilisant une flotte. Ils sont arrivés sur le continent de Kalimdor, ensuite il y a eu cette guerre contre la Légion Ardente, et ils sont revenus s'établir avec une espèce d'ouverture sur la mer, avec une île ou presqu'île comme vous préférez, qui va derrière échanger un petit peu avec, avec différentes nations. Donc on a vraiment, encore une fois, l'importance du maritime et de la mer, tout simplement pour Terra Mort. Donc c'est pour ça ce symbole, cette héraldique de l'encre. Mais attention à ne pas trop confondre avec Kul'Tiras, ce n'est pas que Kul'Tiras. Beaucoup, toutes les nations sont représentées. Et enfin, dernier point pour Terra Mort, parce que j'ai besoin d'en parler, c'est un petit peu comme pour les elfes, bah, j'ai dû faire un petit point sur les hauts elfes. Malheureusement, World of Warcraft n'a pas du tout rendu hommage à Terra Mort. Terra Mort, bientôt il y a War 3 Reforged qui va sortir, et j'attends beaucoup, puisque on verra avec des beaux graphismes à quoi ressemble Terra Mort. Terra Mort, je rappelle que dans WoW Vanilla, je vous laisse aller voir la vidéo sur WoW Vanilla si vous avez plus de détails concernant Terra Mort, mais c'était un copier-coller du port de Ménéthil. Or, Terra Mort, c'est censé être la plus grande nation... C'est devenu la plus grande nation humaine. On a quand même les 7 nations représentées à Terra Mort. Alors bien sûr, c'est qu'une partie de la population, mais quand même, plus une population elfe, plus une population naine du clan Wildhammer et des Bronzebeard, donc d'Ironforge et des Interlands. On a également donc les gnomes. Donc inutile de dire que Terra Mort, c'est un joyau de la civilisation de l'Alliance. On a toutes les populations présentes, et la ville de Terra Mort, quand vous la voyez dans Warcraft 3, elle est immense. Elle est immense. Stormwind à côté, elle est plus petite. Bon, elle est en reconstruction tout ça, mais elle est plus petite. Et en plus, Terra Mort est un joyau d'architecture et autres, puisque bah, les nains ont aidé à la construction, les hauts elfes ont pu enchanter, etc. Donc il y a le savoir-faire humain, mais le savoir-faire nain, le savoir-faire gnome, et le savoir-faire aux elfes. Donc c'est vraiment devenu un phare de la nation, enfin un phare de l'Alliance, tout simplement. Et je parle de l'Alliance de Lordaeron, pas la celle de WoW, la nouvelle de Stormwind. Donc cette ville est censée être gigantesque, et malheureusement, eh bien, dans WoW, elle sera mise de côté. En même temps, c'était un petit problème, puisque bah, c'était une nation humaine qui avait une entente cordiale avec la Horde, même si c'était pas non plus purement alliés, mais ils avaient un accord de non-agression et ils s'entendaient quand même relativement bien, ils pouvaient avoir des petits échanges commerciaux et autres. Donc c'est un petit peu triste de voir bah, Terra Mort être si peu utilisée dans WoW, au contraire, et devenir une petite ville avec une petite Jaina, voilà. C'est un petit peu triste, mais bon, voilà pour Terra Mort, et donc c'est la 8ème nation humaine, la nation humaine tout simplement. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, je voulais peut-être faire un petit peu plus court, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les 8 nations humaines, surtout rappeler un petit peu les familles dirigeantes de chaque faction, les symboles et autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les 8 nations humaines vous auront plu. La prochaine, je ne sais pas trop, n'hésitez pas, sur quelle généalogie vous voulez qu'on aille, les orques, les trolls, n'hésitez pas. Et les trolls, ça pourrait être intéressant, j'ai fait la vidéo sur Zul'jin, mais ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager ça à vos amis qui peut-être ignoreraient un petit peu cette généalogie. Et n'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, vous abonner à la chaîne YouTube, étant donné que ça augmente la visibilité. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, enfin je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus.